Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti déchaumer les colzas. Là vous allez voir, je suis avec le jouet derrière moi. Vous voyez que ça collait hier, j'ai fait un essai. Voilà. Ça allait pas trop mal mais c'était encore un peu frais. Là on est un bon mois et ouais, un mois et 10 jours à peu près. Et comme la directive, faut laisser pousser les repousses de colza. Bon, le bordel, c'est qu'il n'y a pas que des colzas. Vous pouvez voir qu'il y a d'autres merdes. Et hier, en fait, j'ai arrêté parce que ça, vous voyez, ça collait au rouleau, un peu au disque. Parce qu'on avait eu 11 mm la veille. Dans un autre champ ça allait très bien, mais celui-là il est un peu plus argileux. C'est une terre assez facile où on peut reprendre vite, mais les parties argileuses là ça allait pas du tout. Alors on va être reparti essayer aujourd'hui là, et on a laissé passer ouais 18 heures de séchage à peu près. Descendre si ça me casse les, regardez, ça colle encore, bordel de merde. Ce que je vais faire, je vais remonter le vérin, hop, et ouais, je suis avec la bête mais ça m'emmerde parce que ça colle. Ah mais c'est le bordel. C'est la terre d'hier qui n'arrive pas à se décoller. Et moi ce qui me fait dire que c'est limite, c'est ça là. Putain, un peu plus le régras, il repousserait là-dedans. Ce que je vais faire, je vais remettre. Oh merde, avec une. Avec le déflecteur, à me faire chier. Je vous pose un instant. Hein. Parce qu'en fait, j'ai remis une cale. Là, 4 cales, déjà, ça doit pas être mal. Hein. Ces 5 cales, ça fait beaucoup. Que vous voyez la profondeur que ça gratte sûrement bien assez. Et moi ce que je voulais c'était surtout essayer d'arracher tout quand même. On s'arrache pour tout quand même. Bon là c'est vrai qu'on est dans une chinte,
Mais bon, après le reste là, bon, ça devrait aller. J'ai des descentes, ouais, une cale pour que ça évite de coller comme ça quand même. Parce que sinon, hein, le niveau battage, on était pas mal. Hein. Ils étaient venus avec une CR, je sais plus combien là, et il n'y avait pas eu beaucoup de pertes. Hein. Là, les nouvelles variétés de colza, c'est top. Hein. Parce qu'on a beaucoup moins de pertes. Là, c'est une île massie, elle est déglinguée. Ouais, bon boulot parce que. On va essayer de continuer. Finir qu'il y ait des chômages quand même avant le 15 août. Ouais, en un mois, vous voyez, bon, ils ont pas beaucoup poussé. Hein. Le fait qu'il y avait, ça avait été broyé avec pas mal de résidus il y a un mois. Et on n'a pas déchaumé pour. Parce que le colza était déjà né vu que ça avait grêlé une partie. Et il n'y a pas eu beaucoup de pertes de graines. Allez, on continue. C'est pas facile à les avoir, hein. Ils ont un bon camouflage. Regardez. C'est impressionnant. Bon, le petit oiseau que je vais vous montrer là, c'est un Oedicnème criard. C'est assez impressionnant parce que j'arrivais à le voir dans la pente et là, j'ai fait mon test, j'ai vu la mère, elle était là. Et tu vois, elle a eu un petit. On se plaint que c'est de la saloperie, mais c'est quand même beau à voir. Ils vont nous manger un peu de plaie et de tournesol, mais bon, après, faut savoir donner un peu quand même à la nature. Ce qui est impressionnant, les lièvres à chaque fois. Ça se trouve la mer elle est pas loin là et elle me sortira des. Et c'est souvent que j'ai pas la caméra d'enclencher et le temps que ça. Elle est partie déjà. Parce que là dans le coup avec l'hydraulique, hop, je remonte le rouleau. J'ai remis les vérins à rentrer avec les câbles. Et on est reparti. Deuxième. Peu pour avant, hier je l'avais oublié, mais bon, c'est mieux de l'avoir. Ça, je vais vous montrer. Bon, là ça brasse un peu dans la chinte. Allez hop, on pose. Bon, moi, mon déchaumeur il fait 3 mètres. Quand même bien sonorisé les. Oh, ça fait un bon boulot. Et c'est que ça lui assoit les côtelettes dans la. Vous allez voir là. Ça y garde les 2000 tours. Ça lui assoit. Hein. On gratte à 6 cm. Là les écolos en sueur. Un peu de. Ça va pas mal quand même. Un petit peu de fumée noire pour les écolos.
Ça aura bien, hein. Boulot d'hier. Bon, c'est pas évident avec une main. Hein. Là, dans la descente, ça va bien. Et là, ce que je fais, vous voyez, les rangs, ils sont dans ce sens et moi, je prends un biais. Parce qu'il y a tellement de résidus, là, que je veux pas... Je veux pas être embêté. Bon, ça secoue un peu plus de prendre en biais et après ben, on passera un autre coup dans l'autre sens. Ah ben, y a même des coquelicots qui sont en fleurs. Ben, je vais vous dire que ça fait du boulot. Parce que je roule à 11 km/h, il n'y a que dans la côte là que ça y arrive pas. Ça a l'air de coller un peu moins quand même. Bon, j'ai pas le GPS, vous voyez, je me suis un peu gouré hier. Mais bon, c'est pas évident. Hein. C'est une buse. Je sais pas ce qu'elle a embarqué, mais elle l'a embarqué. Est-ce que c'est un mulot, un corbeau, je sais pas. Tout à l'heure, elle était au sol. C'est assez impressionnant, hein. Parce que elle était au sol et je pense qu'elle essayait de manger le... Je sais pas. Qu'elle a pris. Parce que le Dignem là-bas, je le vois plus. Là. À moins que ce soit lui là-bas. Ah si, le voilà. Le Dignem crière.